Welcome les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un vlog. Oui, parce que c'est vachement original pendant les temps de confinement. Alors avant de commencer, si vous vous demandez pourquoi j'ai les cheveux aussi gras, non, je ne fais pas une cure de sébum. J'ai mis de la crème, de l'huile hier soir et mes cheveux sont naturellement un peu bouclés quand je les accroche. Et là je vais faire une séance de sport et puis après je vais aller me les laver. Évidemment je suis toujours accompagnée de mon café, hein. Hop, me voilà en tenue de sport. Bravo tout le monde. 6, 7, 8, et 1, et 2, et 3. Alors là je fais ma petite séance de Strong by Zumba, désolée pour l'accent. C'est vraiment cool pour les hits, c'est un peu comme de la danse. Et moi en fait j'aime pas vraiment genre écouter la musique. Et là je regarde une vieille vidéo de Léna. Coucou les gars, donc là j'ai mangé, faut que je vous parle de plein de trucs, vraiment j'en ai déjà parlé avant, mais j'ai décidé de pas mettre l'extrait car je trouvais que ce n'était pas dynamique puisque je n'étais pas debout et qu'il faut vraiment que je vous parle de plein de trucs. Avant toute chose, je voulais juste vous dire, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta parce que je vais un peu parler d'Insta. Hier je vous ai demandé sur Insta s'il y avait des trucs que vous me conseillez, des trucs que je pourrais changer, que je pourrais faire, et vous m'avez conseillé des trucs et j'aimerais bien avoir votre avis à tout le monde en fait, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. Déjà il y a une personne qui m'a dit que je devrais faire des miniatures un peu plus épurées, donc j'ai une question, est-ce que vous préférez les miniatures comme ça ou comme ça? Ensuite on m'a dit d'autres trucs qui étaient grave pertinents, genre mon micro et tout. Bon, on m'a dit ouais, ce serait cool que tes montages soient un peu plus dynamiques et que tu sois un peu plus dynamique, que tu parles plus vite. Je suis totalement d'accord avec vous et je veux vraiment vous en parler, et je dis pas ça pour que genre vous me rassuriez en commentaire ou quoi, même si c'est super sympa quand vous faites. Mais c'est pas du tout pour me plaindre, c'est vraiment pour avoir une discussion avec vous. Et parce que je trouve ça intéressant que vous voyez genre comment ma chaîne évolue, comment moi je me remets en question. Parce que je suis trop nulle pour me remettre en question. En fait, il faut savoir que dans mon caractère, je suis un peu une pile. Vraiment. Et je vous dis ça parce que ça va expliquer mon discours tout de suite. Je suis vraiment une pile, j'ai toujours 36 000 idées, je veux toujours faire mon truc. Je suis grave celle qui va aller dire à mes potes, ouais venez on fait ça. Limite je suis trop une pile, j'ai toujours besoin de faire les trucs à l'avant, j'ai toujours besoin de tout planifier, de grave contrôler les choses et tout. Bref, la partie assez calme on va dire. Donc cette partie là de moi, vous la voyez énormément sur les réseaux sociaux. La partie assez posée, parce que je suis quand même hyper posée dans la vie de tous les jours. En fait je sais pas trop comment expliquer, mais je suis un peu les deux genres. Dans ma tête c'est hyper vif, donc en apparence je suis une personne assez posée. Bref, cette partie là je vous la montre beaucoup sur les réseaux, notamment bah, dans mes vidéos qui sont très très calmes, avec un montage très lent, des musiques très lentes, machin et tout. J'aime bien ça, mais j'ai vraiment envie de plus vous montrer ma partie... Bah, je sais pas, genre pile et tout. J'ai l'impression que je suis hyper déprimante. Et il y a un autre truc, c'est que j'ai vu des anciennes vidéos de moi, genre une vieille story time que j'avais faite. Et c'est vrai que j'étais super lente, vraiment. Et je pense que je le suis encore un peu. Et je m'en rends pas compte parce qu'à chaque fois, je mets toutes les vidéos en accéléré en fait quand je la garde sur YouTube et tout. Et c'est vrai que c'est cool de temps en temps de voir des youtubeurs qui font des choses plus lentes. Mais moi, ce que je préfère le plus, c'est regarder des gens qui font des montages qui bougent un minimum. Je pense que ça c'est dû au fait que je considère que ce que je raconte n'est pas intéressant et que faut que je balance à fond sur le montage parce que sinon ma vidéo sera nulle. Et donc à chaque fois je favorise plus le montage limite que le contenu de la vidéo, et je pense que c'est ça le problème, c'est que même si je kiffe mes vidéos, enfin si je kiffe, ça fait très humble de moi-même, mais enfin même si j'aime bien ce que je fais et tout, parfois j'ai l'impression que quand je filme en fait c'est même pas si intéressant et que c'est vraiment le montage qui fait tout. Mais je pense que vous voyez clairement une différence quand je fais des vidéos avec mes potes ou toute seule. Et je pense que c'est là le problème, parce que j'imagine que quand je suis avec mes potes, je suis grave moi-même. Et pourtant quand je suis avec mes potes, vous l'avez déjà vu, je suis hyper active. Et là je sais même pas si je vais conserver cette partie de vidéo parce que j'ai l'impression de trop raconter ma vie. Mais en même temps moi j'adore les vidéos où les gens racontent leur vie. Donc je me dis, voilà, peut-être que vous aussi vous avez envie d'avoir des petits moments où je parle, où je partage mon état d'esprit et tout. Donc voilà les loulous, n'hésitez pas à me dire ce que... Ah non, pourquoi je vous appelle comme ça même? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc aujourd'hui je me suis dit que j'allais faire une vidéo, un petit vlog, voilà. Très cool, en mode je vais pas m'obliger à être productive parce que c'est mon gros problème. Je vais essayer de faire des trucs sympas, des trucs que j'aime bien. Je vais vous partager des trucs cool que je fais. Comment passer une bonne journée, ça va être juste un vlog chill en fait où je vais vous poser, je vais vous parler, je vais arrêter de m'auto-censurer et de me couper. Donc si vous aimez pas les vidéos où je parle trop, bah regardez pas cette vidéo parce que clairement ça vous fait chier et j'ai pas envie de vous faire chier. Aussi n'hésitez pas à vous abonner à mon TikTok, je poste jamais de TikTok, vraiment j'ai un peu du mal avec ça mais je vais essayer de m'y remettre, donc voilà.
Les gars, je vais vous présenter Potter. Potter ? Viens. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce mon chien. Enfin, mon chien. Notre chien. Et regardez comment il est adorable. Oh ! Boubou. Potter, c'est un chien très très collant. On l'a depuis un an. Il a un an et demi. Et en fait, c'est un berger Shetland. Et les mâles bergers Shetland sont hyper collants. Donc, ils nous lâchent pas. Mais vraiment, ils nous lâchent pas. Ok les gars, donc là il y a Chloé la caméraman derrière et nous allons réaliser une recette de cookies. J'ai fait un peu un mix, j'adore reprendre les recettes et ne pas les suivre. Donc ça va être une recette de cookies pas vegan mais genre sans beurre. Et on sait pas si on va mettre du sucre encore. Donc là il y a 150 g de flocons d'avoine qui sont hachés. Je trouve que c'est souvent dans les recettes on dit flocons d'avoine mais moi genre je préfère les hachés, c'est meilleur. J'imagine qu'on peut mettre tous les ingrédients ensemble. Il n'y a pas de lait dans les cookies. Ensuite, on va hacher les bananes. Ensuite, on va mélanger. Non, parce que j'ai l'impression que ça n'a pas une bonne consistance. Au pire, je rajouterai une banane. On va mettre un peu de farine. Il faut savoir que ma sœur adore Friends. Mais moi, j'essaie de me forcer, j'ai presque fini la saison 1. Genre j'aime bien mais j'accroche pas au point de regarder genre tous les jours. Ouais mais moi ce qui m'a aussi accroché c'est sur YouTube il y a des vidéos mais genre c'est que par exemple Ross et Rachel. Ouais. Et là ah, du coup tu regardes ça? Bah ouais. Ah mais c'est ça, moi je regarde ça quand dans certaines séries t'as des couples, t'en as un qui meurt. Bah les gens ils font des... Ensuite on peut mettre les bébés de chocolat ouais. Hein? Y'a rien dans tes cookies. Bah toi tu mets quoi d'habitude? Bah je sais pas. Ah bon? Bah tu m'as dit de ranger ma table de nuit. J'ai pas compris. La serviette va jouer un grand rôle dans la dégustation. Ok, donc là on a fini les cookies. Je suis grave contente, on les mangera devant Koh-Lanta. Je sais pas s'ils seront bons, je vous en dirai des nouvelles. Et ensuite, là je pense que je vais faire un petit vision board. Je sais pas si vous êtes grave familier avec ça. En gros, j'ai regardé la vidéo de Léna, ça m'a grave donné envie. Ça fait, je sais pas, des années que je fais des vision boards. Mais toutes les photos que j'avais fait imprimer, tous mes carnets avec mes to-do list, mes ambitions de l'année et tout, sont à Lille. Et j'ai pas envie de me laisser décourager. Donc je pense faire un peu une to-do list de l'été. En réfléchissant à des trucs que je serais capable de faire avec le confinement et tout le bordel. Je pense que ça peut être sympa, donc je vais vous montrer ça. Je fais ça sur Photoshop. Si vous voulez, je vais filmer l'écran. Comme ça, vous pourrez voir à peu près et mettre au ralenti si vous voulez faire les mêmes actions en même temps que moi. Petit vision board, je vous mettrai une photo ici. Alors tout d'abord, je ne suis pas totalement narcissique, je me suis mis parce que c'est une des seules photos que je souris et même si j'aime pas trop ma tête, genre je trouve que je sais pas, ça me met de bonne humeur. Enfin en vrai c'est juste un petit truc fait vite fait, hein, j'en fais il est pas hyper recherché. Donc j'ai mis mes goals, donc déjà profiter parce que je peux pas vraiment mettre genre voyager ou quoi, genre je sais pas de quoi va être fait l'été, mais j'ai juste envie de profiter avec mes potes ou voilà, on verra. Travailler, j'ai mes examens dans quelques semaines, donc voilà, donc réussir c'est plus niveau réussir au niveau de mes examens, j'aimerais beaucoup. Ensuite j'ai mis avoir 30 000 abonnés sur Insta et 6 000 sur... 30 000 sur... ça fait beaucoup sur Insta. 30 000 sur YouTube et 6 000 sur Insta. C'est pas pour moi mais moi genre les 20K et les 30K ça a toujours été genre... Je sais pas, j'ai toujours eu l'impression que c'était le moment où genre t'avais des gens qui te regardaient. Et bon évidemment c'est pas très grave si je les atteins pas, voilà je vais pas tout faire genre pour les atteindre en mode faire des vidéos qui me correspondent pas ou quoi. Mais je trouve que voilà ce serait un petit cap et puis 6000 ça me ferait trop trop plaisir parce que là je sais plus on est 5000, je sais pas, 300 je crois ou 400, je sais plus, 200, je sais plus, enfin bref autour des 3000. Et ça me ferait trop plaisir donc on verra mais 30 000 ça me paraît un peu haut. Donc n'hésitez pas à ramener vos potes, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Mais là je pense... Non je pense pas qu'on les atteindra.
Mais c'est une blague. Le seul jour où je suis prête à aspirer, il n'y a plus de batterie. C'est une blague. Là, je suis en train de promener Potter. Coucou les gars, donc là j'ai fini Koh-Lanta. Si vous avez pas vu, bah likez et quittez cette vidéo. Je suis choquée, non mais Sam. Ah c'est vrai qu'il était un peu casse-couille sur la fin, mais genre c'est trop dommage. Je trouve que c'était. Enfin vraiment, Koh-Lanta d'habitude je regardais plus trop ces dernières années, mais là cette année il y avait vraiment des bons héros et tout. Enfin j'étais trop contente. Donc voilà, je suis grave déçue. Franchement. Bref, ensuite on a mangé les cookies et franchement ils étaient trop bons. Si ça vous intéresse que je vous fasse une petite recette, puisque voilà j'ai apporté les petites variantes et tout, bon j'ai rien inventé mais la recette plus détaillée dans je sais pas une vidéo j'en ai dans mon assiette, pourquoi pas. Et voilà il y a beaucoup de choses, si vous avez des vidéos en particulier qui vous intéressent, après c'est vrai qu'avec le confinement c'est un peu compliqué. J'ai commandé une lampe, je vous en parlerai peut-être un peu plus mais... La lampe pour tous les youtubeurs, elle arrive après le confinement. Et là je vais aller me coucher, en vrai je sais pas ce que je vais faire parce que j'ai fini Harry Potter. Genre vraiment ça m'a tellement ému de finir Harry Potter parce que c'est la deuxième fois que je lis chaque tome. Donc mais à chaque fois j'ai ce sentiment indescriptible. Et voilà genre j'étais trop en mode, non mais j'ai fini. Et... Bah il y aura pas de suite quoi, enfin bref. Et j'ai aussi fini la série que j'ai trop kiffé, que je vous en ai déjà parlé plein de fois. Et en fait, j'arrive pas à réaccrocher à une série ou un truc comme ça. Si vous avez des trucs à me conseiller, je vous demande tellement de trucs dans cette vidéo. Et donc, dernier truc, n'hésitez pas à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram. Et aussi, bah merci beaucoup. Là, ça fait 2 jours que j'ai posté la vidéo avec Noémie, ma dernière vidéo. Et on est déjà, enfin, on vous êtes déjà 10 000 à l'avoir vu. Vraiment, ça me fait trop plaisir parce que c'est un truc, genre, d'avoir des vues quand je poste une vidéo, mais c'est incroyable que vous me souteniez comme ça quand je fais des vidéos avec mes potes, quand j'invente des sujets, quand bah voilà je reprends pas juste des sujets qui marchent déjà sur d'autres chaînes. Et c'est trop cool et vraiment Noémie elle était grave choquée, donc merci beaucoup à vous. Et franchement merci parce que genre je sais pas comment expliquer, mais genre dès que je fais venir des gens sur ma chaîne vous êtes adorables et genre ça me fait vraiment trop trop plaisir. Je suis grave émue là. C'est le départ de Sam. Bref, bisous les copains. J'espère que vous irez bien. Et bye la mif.